Coucou, c'est Baptiste, j'espère que vous allez bien. Chez nous fait très chaud, très très chaud. La canicule est un peu passée, mais bon, on a encore 39. 29, je veux dire. Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit tuto sur les Poké Tools. Donc, ce sont des pics à brochettes. Donc, j'ai vu sur la vidéo de Sabella Fantasy. Elle a pris des pics à brochettes de 15 cm et moi j'ai pris des pics à pour l'apéritif à cocktail qui font que 11 cm. Donc j'en ai déjà fait plusieurs, je les ai pas finis, hein. Voilà ce que ça donne. Donc ce sont des pics pour on peut faire un trou, on peut enlever les petits trucs sur les dalles. Donc j'ai préparé mon pic à cocktail, ma colle, de la colle à bijoux, mes pinces. J'ai préparé des petites fleurs que Vie Création m'avait envoyées. Ce sont des petites fleurs blanches comme ça. J'adore ces petites fleurs. Voilà, j'ai préparé un petit embellissement avec de la chaînette couleur argent, des perles et des petits trucs que j'ai fait avec du ruban autocollant de chez Action. J'avais fait une vidéo. J'ai préparé des perles, donc des blanches, des roses. Voilà, donc nous, on va commencer déjà par coller mes fleurs. Que je me mette bien de façon à ce que vous voyez. Toc, comme ça là. Donc, je mets de la colle chaude sur ma fleur. De façon à ce que ça dépasse un peu. Si je veux y mettre un embellissement, un petit charme. Donc là, hop. Je mets ça là. Je vais poser. Oh, les fils, les fils, les fils, les fils. Qu'est-ce que c'est désagréable ça. La deuxième derrière. Là partout. Hop. Donc voilà. Mes deux fleurs sont collées. J'ai laissé un petit peu dépasser le pic, l'arrondi du pic, pour pouvoir mettre mon embellissement. Voilà. Ensuite, on va prendre des perles. Donc, j'avais dit que je. Parce que j'ai fait des essais plusieurs fois. Donc là, par contre, je vais peut-être remettre un peu de colle chaude. Sur mes pétales de façon à ce que ça tienne. Voilà. Donc je vais peut-être mettre celle-ci. Peut-être mettre des petites avant. Je vais mettre une petite avant. Voilà, comme ça. Donc je prends ma colle à bijoux. J'en mets sur ma tige. J'en mets tout autour. Là, je prends ma perle et je la fais bouger. Je tourne pour qu'il y ait de la colle partout, hein. En haut, en bas. Et je maintiens. Voilà. Ensuite, je vais en mettre une. Peut-être en mettre une rose.
De la colle à bijoux. On en met tout autour. Je mets une rose. Là, hop. Oh, en bas, je tourne. Quand il y en a trop comme ça. Attendez, je vais mettre mon bouchon parce qu'elle colle. Et là, je vais mettre ma petite carte. Je prends ma carte et je retire le surplus. Voilà. Changer de lunettes si je vois plus rien avec celle-ci. Vraiment les problèmes de vue là. Je vais mettre des lunettes loupe. On enlève le surplus de colle. Là, ma fleur. Ça. On met une petite. Ça donne déjà. Je vais en remettre une. Je vais essayer de mettre une grosse. Ce que ça donne. Ouais, moi j'aime bien mettre une grosse. Là, ce sont des perles que j'ai trouvées. Je crois que c'est Nose, les roses que j'avais eues. Les blancs, je sais plus. Par contre, celui-là, que j'ai pas fini, ce sont des perles Fimo que j'ai fabriquées moi-même. Celle-ci aussi. Une grosse perle Fimo. Et celle-ci aussi. Oups. Voilà. Ici, je vais remettre une rose. On va voir ici. Oui, j'aime bien. Hop. Cette colle-là, je l'ai depuis des années. C'était de la colle pour vos yeux, c'est Rayère, la marque Rayère.
Mais elle est vraiment bien. Voilà. Et là, je vais m'en remettre une petite blanche. Comme ça, là. Oui, je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Attends un peu que ça sèche. Voilà. Oh. Donc là, je vais remettre un anneau. Ouais, j'en ai mis un là. J'en avais mis un. Il est où? Il est là. Mais je crois qu'il va pas être assez gros pour passer dans le trou. On va en mettre un autre. Alors, on va prendre quoi pour que ça passe? On prendra un. On a comme ça. Ouverture là. Je retrouve mon anneau. Il passe dans la perle, lui. Allez, descends-toi. Il est où, lui? Ah, bon Dieu, hein. Voilà. Et là, on va le passer ici. N'est pas bien mis. Voilà. Hop. Et voilà. Mon Poké Tool est terminé. C'est pas compliqué à faire, hein. Ensuite, bah, j'ai fait les pochettes. Alors les pochettes là ici, moi j'ai fait une pochette de 13 sur 10,5. Vous faites un pli sur les 10,5, 3 de chaque côté. Donc voilà comme ça. Ici sur les 10,5, vous faites un pli à 3 de chaque côté. Et en bas, un pli à 1 cm. Ensuite, vous coupez de biais et ça vous fait la pochette pour le mettre dedans. Donc là, j'en ai fait un de 13 sur 10,5 et celui-là, je l'ai fait de 16 sur 10,5. Donc ça, c'est vraiment pour les grands picots de 15. Donc sinon, vous prenez, je sais pas moi, celui-là. Hop. Vous rentrez dedans. Alors si vous l'enfoncez comme il faut, ou bien alors vous laissez dépasser comme ça vous fait une pochette pour offrir votre Poké Tool. Donc là, j'ai plus qu'à décorer mes pochettes, à terminer ce que j'ai commencé. Voilà, c'était tout simple. Donc là, les picots, je les ai eus sur Amazon.
marqué pique à brochette ou à cocktail. Donc à cocktail, je vous dis, hein, sont plus petites. Moi, je trouvais que c'était mieux. Et celui-là aussi avec des perles de chez Action, des perles noires. Je suis jamais dans ma chambre. Voilà. Pour offrir aux copinettes. J'ai plus qu'à terminer celui-là. Ça, je l'ai fait avec des perles de chez Nose et des perles de chez Amazon. J'avais acheté des perles de chez Amazon de couleur. Et la petite fleur, là, c'est une fleur de chez Vie Création. Donc, j'en ai mis une de chaque côté. J'ai plus qu'à mettre un petit bijou, là. Voilà, moi, j'aime bien faire tout ça. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et je vous dirai à bientôt. Bisous, bisous.